Hey, bienvenue pour un petit jeu d'horreur indépendant qui s'appelle One Late Night et qu'on m'a conseillé. Et apparemment ça fait peur et c'est un peu tout nouveau et ça a l'air super bien et... Oh mon dieu, j'ai un iPhone. Ou un smartphone. Ok, je te vois bientôt. Désolé, je serai un peu plus en retard que prévu. Quand je serai là, blablabla, je t'appellerai, machin. Ok, c'est cool. Qu'apparemment, je crois que ce jeu est super beau, c'est fait avec Unity. Mais c'est super beau parce que c'est la version payante de Unity, alors. Alors, il est temps de voir si le café est prêt. Ok, ça a l'air hyper important. Oh mon dieu, il y a un petit Android. En fait, c'était pas du tout un iPhone. C'était un Android. Oh mon dieu, regardez-moi ces graphismes faits sous Unity. Il y a tellement d'objets modélisés, c'est incroyable. Et je ne fais rien du tout, hein. Tout est automatique, je vous rassure. Alors, how to play. Alors, interagir, space, petit sprint. Ah, je dois me cacher, oulala. Donc, je crois qu'il y a des... Enfin, je connais pas grand-chose, hein, mais il doit y avoir des espèces de bêtes, je suppose. Oh, c'était quoi ce bruit? Je peux bizarrement bouger. Ah, c'est parce que je suis... Oh mon dieu, c'est un drame monumental. Je ne suis pas dans la bonne langue de clavier, je peux pas le changer. Ah! Ah! Bon, je crois que je peux me déplacer. Pas de panique. J'ai réussi après 8 quarts d'heure à mettre mon jeu. Tiens, je peux faire quelque chose avec cette chaise. Oh, je peux m'asseoir, c'est génial. Oh, regardez, il y a des écrans, je peux interagir avec des trucs. Le petit bonhomme Android. Oh mon dieu, il y a du flou et tout. Comment je quitte? Ah voilà, j'ai reposé. Là, il y a un écran. Oh mon dieu, attention, c'est Linux! Ah ouais! Username, password, c'est ça? Oh putain, mon clavier en anglais du coup. Échelon. Oh, je suis connecté. Je crois que je peux sauvegarder le jeu en tapant save. Ouais! Trop fort! Oh, et puis il y a des vrais commandes Linux et tout quoi! Attention! Bon, on s'en fout. On va essayer de trouver qu'est-ce que je dois faire. Bon, je vais aller chercher le café. Comment je sors de là? Voilà. Sortons. Vite. Donc, je suis au bureau. C'est génial. Tiens, mais je peux bizarrement me déplacer. Qu'est-ce qui se passe? Le bureau de Robert. Oui, c'est cool. J'ai vu. C'est bon, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, il était là et d'un coup, il a disparu. Il a arrêté de venir au boulot. Ok. Pom pom pom. Pourquoi cette imprimante marche toute seule? Putain, mais c'est bizarre parce que quand je me déplace à gauche ou à droite, je peux pas me déplacer en avant en fait. C'est hyper chiant. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est super chiant. Pourquoi cette imprimante s'excite? Bon, ça a l'air fermé vu que c'est rouge. Ça aussi. Pourquoi j'entends les battements de mon cœur? Qu'est-ce que c'est par là? Oh là 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 là! Attention! Bon, y a rien du tout par là. Bah, il y a même des thermostats et tout. Donc, je crois qu'à la base, je devais aller chercher mon café. Donc, on va aller chercher notre café. Hein. Je vais pas faire trop d'exploration. Ah, je crois que j'entends le café! Je dirais que c'est par là. Oh! Oh mon dieu, mais c'est graphisme, parce que Unity, c'est tellement inédit. Ouais, je vais retourner travailler maintenant. Glouglou. C'est bon, j'ai assez de café. Un simulateur de bureau. C'est génial. Allez chercher votre café. Revenez travailler. Jouez au solitaire. Webcom. Bon, je vais sprinter un peu, hein, parce que... On n'y sera jamais. Mais qu'est-ce qu'il y a là, cette imprimante là? C'est quoi ça? Je te vois! Eh, c'est Linux quoi! Ah bah oui, je suis con. C'est surtout, c'est OpenOffice quoi. I see you! Bon, c'est bon, j'ai vu qu'il me voit! Quand est-ce que j'ai tapé ça? Eh bah, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux aller dans l'ordinateur? Oh, ouais, c'est genre, faut me reconnecter. Non, quitte! Échappe, space. Comment? Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Monsieur? Monsieur?
Y a rien dans mes tiroirs. Bon, je sais pas ce que je dois faire. Je pense que j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a là-dedans, en fait. Bah, du coup, je vais faire un peu d'exploration, je suppose. Pourquoi j'ai un stylo? Je suis dangereux! C'est le stylo bombe de GoldenEye. Attention, quand j'aurai appuyé 8 fois, ça va exploser. Bon, je cours un peu parce que sinon on n'y sera jamais. Oh oui, courir, va du mon mec, il est pas très endurant, c'est encore pire que Slender, je crois. C'est genre 2 mètres et demi. Tiens, cette porte est ouverte. Elle était ouverte avant cette porte? Oh, j'ai besoin d'aller aux toilettes, tiens. C'est pas qu'on se fait un peu chier. Oh, j'ai trouvé une clé. Une clé dans les toilettes. Cool! Ah, je peux aller dans son bureau. En fait, c'est un jeu d'exploration. Putain, la porte me bloque, quoi. Y a rien là? Bon, allons dans le bureau de Robert. Ok. Pas de problème. Cours. Je fais 2,5 mètres en courant. Déjà, ça, c'est courir, vous voyez. Genre, je crois que je marche plus vite que ça en vrai que. Ouais, je peux entrer dans son bureau. Je l'entends frapper à la porte. Elle approche de plus en plus près. Un fantôme? Ou le démon? Ou un truc comme ça. Le diable. Oh, il a une table Ouija là. C'est interdit par la loi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde ce qu'il y a dans son ordinateur. Oh, j'ai allumé la lumière, ok. Ok. Que je trouve un password. Moi. Et je sais même plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas répondre. C'est dans mon bureau peut-être en fait. Quelqu'un sonne à mon bureau. 2 secondes. J'arrive. Mon bureau a encore changé. Mais putain, il y a ma chaise, je peux pas. Monsieur? Ok. Qui c'était au téléphone? Eh ben, je ne sais pas. Oula. Qui? Oh putain, mon téléphone a sonné en vrai, quoi. J'ai eu un peu peur. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas ce que je dois faire dans ce jeu. C'est quoi l'objectif? J'ai totalement tout foiré, comme d'habitude. Est-ce que je dois faire quelque chose dans son bureau là ou? J'ai pas son mot de passe, alors je peux pas entrer dans son ordinateur. Bon bah du coup je vais faire un peu plus d'exploration quoi, mais bon, c'est moche. Pourquoi ça a fait un bruit? Y a des pochettes de Windows. De Windux. De Windux XZ. Je comprends pas ce que je dois faire. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ça y est, il y a des chaises qui commencent à sauter de partout. Hide. Ah bon, je peux me cacher? C'était marqué hide. Je peux plus me cacher. C'est fini. On se cache qu'une fois dans la vie, hein. Bon, là, je suis retourné dans mon ordinateur et j'ai tapé pendant 10 minutes des commandes dans la console Linux de mon ordinateur. Oh putain, attendez, je crois que j'ai trouvé le mot de passe du PC de. Hey, j'ai trouvé le mot de passe du PC de Robert. En passant 3 quarts d'heure dans la console, en regardant tous les fichiers, tous les dossiers.
C'est génial. Donc son password, c'est Michelangelo. Je vais noter ça. Du coup, j'ai essayé d'aller voir le PC de Monsieur Robert, hein, n'est-ce pas? Voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui se passe? Mais putain, je suis déjà passé devant 20 fois, quoi. Je peux pas bouger. Je crois que je suis coincé dans la poubelle. Monsieur? Ah non, il y avait une séquence, ok. Putain, mais je suis passé tout à l'heure 20 fois et... Il s'avait rien fait, et là d'un coup ça marche. Regardez, ma main rentre dans le mur, mais c'est pas grave. Boum. Donc, je peux me connecter sur son ordinateur. Mais du coup, je sais pas c'est quoi son login. On va essayer Robert. Bad login. Bon, alors, mi. Ok. Michel Angelo. Quoi? Bon, j'ai essayé 20 fois, le mot de passe ne marchait pas, et oui, je sais que j'avais le clavier en anglais, mais ça ne marchait pas quand même. Donc j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Monsieur? Oh! Qu'est-ce qui se passe, putain? Et d'un coup, il arrive des trucs. Et pourquoi il y a un ballon là? Quoi tous ces bruits là? Ah, c'est le robinet. Je peux pas fermer le robinet, quoi. Je suis condamné à entendre ça. Bon, du coup, je vais aller voir c'est quoi ce petit ballon. Si mon perso sait marcher, parce que c'est pas qu'il est un peu lent, mais c'est même pas de la marche, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, punaise! Non, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait vieux faire un vieux truc, mais non. Bon alors, typiquement, il y a un fantôme dans le truc. C'est comme paranormal en fait. Maintenant, je fais quoi? Bon, je vais arrêter cet épisode-là. Ça fait déjà 30 minutes que j'enregistre. Ah, vous aurez des bonnes grosses transitions dans la tronche. Et il s'est pas passé grand-chose en 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, punaise! Punaise, il y a un truc! Vite! Il faut que je me cache sous mon bureau! Hide! Hide! Et je veux juste me hide! Ouais, j'ai réussi! Fouh! Je suis caché! Je suis caché, ok! Je suis caché. Enfin, je suppose. J'aurais peut-être dû éteindre la lumière. Je sais même pas si je peux. Et je fais quoi maintenant? J'attends? C'est fini? Sortons. Et il y a un objectif? Je peux finir ce jeu au moins ou... Qu'est-ce que je dois faire? Bordel! Je vais où maintenant? Je fais quoi? Bon, je vais sauvegarder et on va arrêter cet épisode. Donc il y aura probablement une suite vu qu'on peut sauvegarder. Ouh là là. Un jeu Unity où on peut sauvegarder, c'est incroyable. Vous pouvez me croire. Ah, oh, ah, une sauvegarde vite. Ah, oh, save. Ah, quoi? Putain, faut que je me connecte. Le truc pas trop relou, quoi. Save. Voilà. Et donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bah ben, à plus.